pas Rafo, alors une petite présentation au public. Moi je m'appelle Rafo Assoyan, j'ai 18 ans, ça fait 4 ans que je suis à Cyclabol, j'ai fait 2 ans d'anglais, là je suis 2 ans d'anglais. Et j'ai participé au championnat de France. Et voilà la ceinture du championnat de France. Alors comment c'était ton combat au championnat de France? J'ai fait la demi-finale. Demi-finale, oui. Et ensuite j'ai fait la finale. Plus qu'un. À Paris. Voilà. Toi qui fais partie de la team Kiaï Mutai Tavi, tu étais entraîné par Eric, préparé par Laurent Gorille. Ouais. Alors si je peux donner la parole aux entraîneurs, tes entraîneurs, pour qu'ils parlent un peu du combat de Rafo. Ouais, mais moi j'étais pas présent, j'ai eu un empêchement de venir. La vidéo après par la suite, hein, on a fait une analyse. Il s'est vraiment bien débrouillé. Il a bien écouté Laurent qui était au son coin. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'il a bien mérité son titre. Voilà. Et puis voilà, on est tous contents. Ans, lui 34 ans, donc déjà il a maturité, il était fort, ça faisait plus de 10 ans qu'il faisait de la boxe thaï. Le truc qui a été bien, c'est qu'on a travaillé bien spécifiquement sur le fait d'avancer et de jouer le bûcheron, pour bien exterminer au niveau des points et finir avec les jambes. Un travail qui m'a parfaitement fait, destructif. Et après il a attrapé pour pouvoir donner coup de genou et balayer tout de suite, sur la gauche et sur la droite. Et ça a payé à chaque fois, son adversaire tombait au moins 4 fois par terre. Pour un petit message avant de... C'est juste le commencement. Je sais que j'ai encore beaucoup de route à faire et je m'arrêterai surtout pas là. Donc, à suivre. Voilà.